Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le troisième épisode du Let's Play sur Dirge of Cerberus Final Fantasy VII. Dans l'épisode précédent, on a affronté le mecha hélicoptère, un truc comme ça, un hélicoptère de combat, mecha libellule je crois qu'il s'appelait. Donc on a fini le premier chapitre où j'ai pris pas mal d'expérience, etc. Et là, je commence sur cette page-là, en fait, tout simplement parce qu'on est déjà en mission, où je dois tuer des espèces de loups, enfin de chiens qui nous poursuivent avec une sulfateuse, comme vous pouvez le voir sur... la petite image. Donc voilà, en tout cas j'espère que le let's play vous plaît. Merci aux gens qui mettent des petits likes, qui regardent la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et donc c'est parti, on attaque ce troisième épisode tout de suite. Ce car rapide sera supprimé. Ok. Ah. C'est pas très précis quand même la sulfateuse. Aïe. Ah, ils m'ont bien abîmé le wagon. I'll be fine, but that's more than I can say for the engine. Vincent, if possible, I want you to continue on to Edge. That transmission we just saw troubles me. Once I have repaired the Shadow Fox, I'll need to return to headquarters. A WRO squad has already been dispatched to Edge. Join them, and help liberate the city. I guess I have no choice. J'ai pas été très bon sur cette phase là. Mince. C'est ça que je voulais faire. Mince. Ok, moi il faut que j'aille tout en haut. Donc on va explorer un peu derrière. Mince. Comment on fait pour... je me rappelle plus comment on fait pour aspirer l'énergie Mako.
Alors ça, on me l'a dit dans les commentaires, ça permet de débloquer les cinématiques et je ne sais plus qui me l'a dit, je vais vous dire ça tout de suite. C'est Familier Tenuji qui me l'a dit dans les commentaires. Et apparemment ça permet ouais, de débloquer des cinématiques. Donc là au niveau de la map, j'ai dû tout explorer. On va ranger l'arme quand même. Je vais juste regarder que derrière il n'y a rien. Donc, ok, on peut avancer. Donc là j'ai pas été très très bon sur la phase de tir, hein, vous en serez vite fait aperçu. Mais déjà au début c'est pas précisé comment tourner avec la sulfateuse. Alors je me disais que c'était la manette qui ne fonctionnait pas sur l'émulateur qu'il a détecté pas avant de me rendre compte que oui ça a fonctionné mais c'était pas le bon joystick que j'utilisais. Et doucement un petit chien. Carte clé. Ok. Ouais, je vais avancer. Comme je n'ai qu'une carte clé, ce serait un peu dommage de retourner en arrière puis pas pouvoir avancer. Par contre, vous avez vu, j'ai obtenu une nouvelle matéria. Il est trop trop fort ce Vincent. Éther rouge, cet éther rouge sans régénère une quantité aléatoire de MP. Un petit chez ça, c'est ce qu'on avait eu. J'essaie de regarder pour ne rien oublier. Mince.
Je sais pas ce que j'aurais fait, mais ils en ont apparemment. Un petit rang A, c'est toujours pas mal. Ouais, je sais pas ce que j'aurais fait à tous les bonhommes, mais... Oh, bah, je vais ajouter les points... Je vais ajouter les expériences à mon total. Je vais pas acheter des terres, je vais rien acheter. Edge, ville silencieuse. Strangled and slaughtered, beaten, stabbed and crushed, garroted and impaled, shot and executed without mercy. Nicely said, Vines. I wonder if this will be a little more amusing than last time. WRO. Who's asking? Vincent Valentine. Reeves sent me. My apologies. Shalua Rui of the WRO. The commissioner has told me much about you. What happened here? That's what I'd like to know. I'm here on other business, but something's not right. It's too quiet. I've seen no trace of Deep Ground, or the squads that were sent in to fight them. Also, where are the 500 people who are supposed to still be living here? Well, this is getting us nowhere. Like I said, I have business to attend to. I'll see you around. Business? The commissioner keeps telling me I'm wasting my time. My time searching. Searching for what? For my reason to live. Alors, au niveau de la map. Il y a l'espèce de point bleu derrière, donc je pense que c'est l'objectif de mission. Enfin, du moins, j'ai l'impression. Là, là-bas, il y a un truc. Des petites balles,
contre là je vais acheter une potion plus. On sait jamais. Les terres ça coûte trop cher et les balles ça coûte une blinde aussi. Je vais rien acheter. Alors là il y a un passage. Ah bah t'es là toi. Je me disais où est-ce qu'il était passé. Ok, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais retourner à l'escalier qu'il y avait au début pour explorer un peu. Ok, donc là il me faudra une carte déjà. J'ai entendu grogner. Mince. Je vais la laisser là pour le moment la potion. Balles de mitraillette. Bon après ça va niveau munitions, ils en donnent quand même pas mal donc j'ai pas gêné par rapport à ça. Et là donc j'ai fait le tour pour pas grand chose, pour ne pas dire pour rien. Et monsieur ça va? Ça va monsieur? Juste continuer un peu par là. Ok, donc là je peux pas passer. Je retourne au début.
j'aurais dû utiliser la petite potion. C'est pas grave. C'est pas grave, ce n'est pas grave. Là, on avait vu qu'il y avait un petit passage. A chaque fois, Laura, j'ai l'impression que c'est des monstres qui... Ouais, allez. Donc vous obtenez Hydre. Pour vous équiper de cette arme ou la modifier, sélectionnez l'option modifier à partir du menu principal. Ce fusil offre une meilleure précision de tir lorsque vous attaquez des cibles éloignées. Ouais, après j'ai le sniper. Enfin, je... Là, il y a quand même beaucoup de choses. Et tout. Alors j'essaye de faire comme je vous ai dit, de mettre un peu moins de le viseur. Mince. Mais arrête. C'est relou. Merci. J'ai fait pas mal de petits dommages. Et donc là, ça va sentir le combat. Quand on arrive sur une grande zone comme ça, en plus on nous donne une arme. Mince. Aïe.
Ok, j'étais là-bas, je t'ai vu. Ah, il y en a un là aussi. Ça va, tu... Arrêtez là! Ça c'est pas de se cacher là-dedans. Ok. Survivor spotted. Don't let him escape. Moi, j'ai acheté une potion plus pour rien. I know how to get there. It's through that gate. You have the card key? Come on. I know someone who does. Follow me. Et bah les amis, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Pour cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver donc dès vendredi pour la suite de nos aventures sur Dirge of Cerberus. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.